Eh les gars, comment qu'on fait pour faire démarrer cet engin de malheur là? Bah, faut pédaler. Les mecs, j'ai trouvé une plante bizarre, venez voir. C'est quoi ça? Tu crois que ça se cueille? Bah attends, je vais voir. Ah non. Salut, salut, c'est Wild de BBTV, je suis avec Jack Spencer. Salut. Et Jolatte. Salut, salut. Alors, on est sûr. Oula, ça va être compliqué. Imperium Galactic Survival, c'est ça, hein? Yeah, ça. Imperium Galactic Survival. C'est un jeu de survie dans l'espace, de planète en planète, avec des ennemis, etc., cycle jour-nuit. De la survie, de la stamina, de la bouffe, de l'oxygène, etc., etc., et de la météo. Un petit peu à la manière de No Man's Sky. Exactement. S'il y en a qui connaissent. C'est-à-dire monde ouvert entre planète, planète, quoi. Et on peut terraformer. Yes. Ah bah ouais. Le terrain est complètement modulable. Excellent. Vous voyez un peu, on est sur une planète, on s'est crachetouillé avec notre petite vaisselle. La map, elle a l'air quand même énorme. Shit. Ça a l'air quand même énorme au niveau de la map. Tu peux montrer aussi, Jolat, si tu veux, je sors. Parce qu'il n'y a qu'une place. Ouais, parce qu'en fait, du coup, on va pouvoir conduire les vaisseaux. Donc là, en fait, au début, on peut juste l'allumer. Donc tac, mais on peut rien faire, quoi. Donc on va se faire une petite base, on va aller chercher des ressources et on va essayer de trouver comment survivre en mangeant et en ayant de l'oxygène, sinon forcément on va crever étouffé. Et puis là ça fait chaud en parlant de crever étouffé, 28 degrés, parce que je sais pas si vous voyez, mais en haut à droite il y a les degrés. Exactement. Et on a un peu paumé, hein, c'est-à-dire qu'on découvre le jeu, donc on sait pas trop, comme disait Jack, on va commencer par se faire un générateur d'oxygène, essayer de voir comment l'utiliser et bon, trouver le moyen de survivre en bouffant, quoi. Normalement il y a des trucs à ramasser là-dedans. Si, si, il y a du matos. Hein. Des bouteilles d'oxygène. Où ça? Là-dedans. Je vais essayer de remettre dedans parce que. Y en a deux. Du externe. Il y en a déjà deux. Eh, c'est quoi ça? Regardez les gars, il y a un fuel pack ici. En fait, t'es occupé à prendre l'essence du vaisseau là. Ça, à mon avis, c'est pour le crafting ici. Exact, le constructeur, ouais. T'as vu, ça s'allume quand tu l'utilises, ouais, c'est excellent. Ouais, yes, faut le mettre en on-off en fait. C'est ici qu'on va faire tout le crafting, quoi, je pense. Ouais, puis y a un petit côté farming aussi, hein. Tu peux voir que dans le coffre de droite ici, il y a des plantes. Puis quand on regarde la map, on voit qu'il y a des zones avec des ressources. Et on peut même suivre le cycle jour-nuit, t'as vu? Quand tu tournes ta map, ouais, ouais. Tu vois là où il fait jour. Si on court très vite, on peut rattraper le jour. C'est génial. C'est génial. Ah, Jack a découvert une nouvelle ressource. Ouais, bon bah nous du coup on est dans le côté et il y a map où une ça fait nuit. Tour là-bas. Vous avez vu? Si tu regardes près du magnésium là-bas, magnésium déposite à 300 mètres, oh, pas loin, yes. Il y a une tour. Bah à mon avis, il vaudrait mieux qu'on essaie de se crafter des trucs de survie maintenant ici, quoi. Ouais. Putain. Qu'on a creusé. Je me suis fait peur tout seul, sérieux. Là, quoi. Je viens de me faire peur tout seul, ça craint. Bon, j'ai déjà installé le générateur. T'es où, Jack? Ah, il va à la flotte. Ce qu'on vous a peut-être pas montré, c'est qu'on a un jetpack aussi. Hein. Ah ouais, bien vu. Yes. Attends, je vais regarder quand tu le fais, tiens. Un petit jetpack, t'es où? Je suis là. Garde. Ah ouais. Youhou. Donc on peut l'améliorer avec le temps. Hein. Donc en cliquant sur la touche J, on l'enclenche. Et alors en maintenant la touche saut, on décolle. Forcément, au début, il est un peu soft. Hein. Je le savais même pas que tu pouvais l'améliorer, tu vois. Et on voit que sur cette planète, il y a de la gravité. C'est marqué en bas à gauche, Gravity On. Ah, yes. Bien vu. Eh hey, mais il y a un putain, mais il y a full ball ici les mecs. Hey, ils sont où les autres planètes, les gars? Bah hey, vous êtes chemettes ou quoi? On a même pas fouillé ce coffre là, il y a toutes les ressources. Il y a 4 rations de bouffe, il y a des médocs, il y a une torche. Ah, il y a des balles, il y a un flingue. Currently occupied by the white. Je parle bien English. Regarde, Jack. Oh, il est jaune celui-là. Oh, c'est pour flatten le terrain, regarde. Eh, hey, il y a des flashlights. Oh, excellent. Regarde, ça flatte le terrain ici. Vas-y. On the fucking hall. Flatte le terrain. Tu vois, ça remet le terrain un peu plus à plat. Ah, yes. Ouais, mais attends, t'en as pour 10 ans, là. Et normalement, en bas à droite, t'as tes munitions, c'est ça, hein. Exactement. En bas à droite, ouais. Et on a 120 balles hein, dans le bazar. Attends, je vais arrêter parce que lui, il leur met à plat et moi, je le creuse. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Et attends, par donc, contre, je vais le ranger, celui-là. Y a une flashlight. Moi, j'essaye la flashlight direct. Hein. Ouais, je voulais voir ce que ça donne. On en a une sur les guns, mais c'est vrai que je voudrais voir ce qu'elle donne. Ouais, bon, bah c'est... Par contre, on se partagerait pas les balles, là. C'est une torche, quoi. Shit. Attends, je vais te la dropper. Il est allumé. Tiens White, je t'ai droppé la torche, tu veux essayer? Et mon cochon, t'aurais pas pris tout l'oxygène des fois? Ah ouais, c'est possible. Ah non, c'est bon. Ouais, j'ai remis de l'oxygène. C'est bon, je suis à fond. Voilà, on vous montre un peu vite fait les mécaniques de ce qu'on découvre, c'est sympathique. Bah en fait, on est en train de découvrir en même temps, donc on vient juste de le lancer. Exact. On va aller chercher des ressources. Hein. Vas-y, let's go. Bah le problème, c'est l'oxygène. Il nous faudrait une réserve d'oxygène. On en a pour 1h13 d'oxygène. 1h13 à vitesse du jeu, quoi. Non, non, 1h13 réelle. Ah ouais, c'est ça. Et ça, tu utilises dans ta barre et ça te donne de l'oxygène. Ah, du fuel pack, il y a 3 bouteilles d'oxygène dedans. Donc ça, c'est pour créer l'oxygène ici. Ouais, avec la flotte. Ok, d'accord. Alors, je vais vous montrer quand même qu'on peut nager sous l'eau.
Bon, je prends les bonbonnes, je vais aller les mettre dans le vaisseau. Et regardez les gars, il y a une planète au-dessus qui se découvre là. Ouais. C'est ce que je me demandais si on pouvait y aller. À mon avis, ouais, bah ouais. De toute façon, on peut aller sur toutes les planètes. Hein. Notre vaisseau, il est naze donc. Bon, bah le vaisseau, par contre, il est naze, faut le réparer. Mais une fois qu'on l'a réparé, on va le réparer. Vers l'infini et l'au-delà. Exactement. Ouais, ouais. Mais le multi, en fait, c'est le mode solo, mais on rejoint par IP quelqu'un. Donc il y a forcément qu'un vaisseau d'une place quoi. Bon, on va en construire un autre. Ouais, oh, je monte dans le coffre, c'est pas grave. On fout, on attache deux chaînes, deux chaises avec des chaînes. Et tu t'accroches et c'est bon, hein. Voilà. On se tient la main. Ouais, normal. Par contre, les gars, ça va commencer à faire jour. Ouais, ouais. Ouf, vous voyez, là, de ce côté de la map, ça fait bien jour. Hein. White. Ouais. Tu peux te mettre bien contre le vaisseau. Ouais. Ah ouais, c'est cool, ça. Tu viens de me faire une soufflette, là. Attends, vas-y, fais-moi-en une petite. Vas-y, ouvre la bouche, bien grand. Ah yes! La bouche, pas l'anus! C'est bon! Oh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la mauvaise. On a presque plus de fuel. Et la bonne? On a presque plus de fuel. Eh, regarde l'autre planète là derrière. Où ça? Ah ouais! Yes! Oh, excellent! Yes, yes! C'est celle où on peut aller aussi, celle-là. C'est un truc un peu avec de la lave. Mais de toute façon, on peut aller partout, hein. On peut aller sur toutes les planètes, hein. Bah, je crois pas qu'il y en a tant que ça, tu sais. Ouais, je pense pas qu'il y en a tant que ça. Il y en a une, deux. Il y en a quatre, je crois, au total. Trois avec la nôtre. Ouais, trois ou quatre, il y en a, pas plus. Ouais, peut-être donner c'est un accès anticipé. On le rappelle. Ouais, c'est un accès anticipé, hein. Il vient juste de sortir. Aujourd'hui même. Il y a quelques heures, ouais. Donc franchement, c'est déjà plutôt stable et pas mal. Ça va être sympa. Ouais. On va chercher du magnésium là-bas ou quoi? À 350 mètres. Ouais. Et comme je disais, s'il rajoute les planètes comme les dinosaures sur Ark, c'est bon, on est bien parti. Ouais, on est bien parti, si c'est ça, ouais. Bah, il paraît que les développeurs sont pas mal actifs, d'après ce que je lisais. Ouais, parce que le jeu vient juste de sortir le 5 août, du coup, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est tout récent. Ça date d'il y a quelques heures, on découvre tout juste. Regardez le soleil, magnifique. Ouais, ouais, c'est quand même bien foutu. Parce qu'on parlait des graphismes, c'est vrai que graphiquement au niveau texture c'est pas top, mais sinon au niveau luminosité et petit effet c'est sympa quoi. Graphiquement ça rappelle un petit peu Seven Dead to Dies, en moins bien quand même, en moins. Ouais, comme il était au départ. Voilà, comme il était au départ. Quand ils ont tout juste fait la mise à jour où c'était plus cubique, mais les textures étaient un peu comme ça. Fais gaffe, il y a un T-Rex à droite. Le T-Rex Non, c'est une T-Rex. Et attends, tu crois que ça attaque ça? Non, si tu l'attaques pas, il te fait rien. Putain! C'est bon, il est mort. Y'a quoi là-dedans, dedans. Oh, fais voir. Ah ouais, ok. Ok, on a à bouffer les mecs. Vas-y, rien. Ok, je vais en prendre deux, puis je te les laisse, Jolotte. Vas-y, y'en a encore deux pour toi. Ah yes. Par contre, t'as vu, y'a aussi un temps de péremption. Hein. Ah ouais, ouais, à droite. Exact. 19h. Perish time, 19. Donc là, on a du magnésium. Ah ici. Ouais, c'est la grosse tache rouge, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc va falloir creuser, les gars. Allez, on creuse, les gars. On vous reprend dans 3 heures. Moi, je sais pas où je creuse, mais pas au bon endroit, à mon avis. Attendez. Oh putain! Les gars, vous êtes où? Ah ouais, regarde, tu peux putain, le ramasser, vous êtes là, les gars! Ah, il faut le ramasser. C'est grosse brique. C'est grosse brique? Ouais, en fait, c'est super bien foutu, ça se ramasse automatiquement. Regarde, tu peux le ramasser. Ah, yes! Yes, yes, yes. Voilà, crushed stone, magnésium, or. On regarde si on peut pas faire un tunnel? Ah ouais, par contre, on utilise nos ressources pour rien là? Ouais, je crois. Bah, de toute façon, faut tester. Ah non, ouais, il y a un tunnel blanc, quand même, hein. Faut viser dans le blanc, ouais, ouais, c'est le blanc. C'est le blanc qui donne le magnésium là. Encore là derrière, il y en a encore ici. Il y en a là. Oh, le trou qu'on vient de faire là. Oh non, ça va encore. Un peu de magnésium. Ce qui est génial, c'est qu'avec ton petit jetpack qui pour l'instant est pas top, tu t'en sors. Ouais, ouais, tu peux quand même remonter. Heureusement qu'on a des bons casques, hein. Et la fumée que ça fait, c'est excellent. Après, je sais pas s'il y a une gestion du poids dans l'inventaire. Non, je crois que c'est vraiment au slot. Attends, vous êtes où les gars? Ah, Jack, moi, est là. Moi, je suis sur la colline là. T'es parti où? Oh putain, je suis sur la colline. T'es là-haut toi? Excellent, ouais, venez. Oh yes, attends, c'est toi ça? C'est pas toi ça? Si? Non, je suis en haut là. Tu me vois pas? Si, si, je crois que c'est. Attends, c'est. Par où t'es monté là? C'est toi ou c'est un arbre qui danse ça? Les mecs! Bah c'est un arbre ça, c'est quoi ce machin? Mais putain, venez voir! Y'a une bestiole qui est sortie de notre trou! Mais c'est quoi ça? Regardez! Les gars, je suis là! Putain, elle est moche! Ah bon? Et heureusement qu'on est sorti, hein! Eh, mais moi aussi, je suis à côté d'une bestiole là, regardez, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce bestiole là? Je m'en fous, je l'attaque! Attends, je redescends! Vous êtes redescendu? Elle est morte! J'arrive! Ah, attends, je redescends aussi! Y'a une bestiole qui est sortie de notre trou! Là, je vous vois là! Oh, tu vas te tuer toi! Quel malade! J'ai perdu de la santé! C'est quoi ça? On a creusé, on a déterré un espèce de vieux teignaf. Ouais, on l'attaque! Je l'attaque! Ouais! Ouais? Attends, vas-y, attaque. Jack d'abord. Jack, viens voir! Vas-y, vas-y. C'est sorti du trou, hein? Ouais. Ouais, c'est pas méchant, hein? Non, ça a pas l'air. Oh, putain, qu'est-ce qu'on fait? On le tue ou pas?
Ah bah fond, on va pas le laisser en vie, hein. On a besoin de bouffer nous. Vas-y, hein. Allons le massacre les gars. C'est bon, il est mort. Il y a 8 morceaux de Alien Parts, c'est alors 2 euros 8. Et il est sorti de là, hein. Ouais, ouais. Donc on a creusé et ça a libéré une bestiole au bout d'un moment, quoi. Il est sorti de là. Attends, il a quoi sur lui? Prends son portefeuille et tout. Eh, faut faire gaffe parce qu'on peut se péter des jambes. T'as vu le saut que t'as fait aussi? L'autre il saute carrément de la colline. Et est-ce que t'as essayé la vue à la troisième personne? Ah non, c'est quoi? V. V. Oh. Par contre c'est mais c'est quoi ça? Non, V pas E. Ah, non. non mais par contre c'est chelou, je préfère comme ça. Ah ouais. On essaye d'aller voir ou pas? Tu vas aller voir à la tour? Bah je suis curieux quoi. Ouais vas-y. Ouais, mais... Putain les gars j'arrive pas à monter, merde. Ah oui c'est vrai j'ai un jetpack. Ouais moi. Prends ton jetpack parce que bah, franchement ouais. Ici ça devient pentu. Hein. Ah j'ai trouvé un truc les gars. T'as trouvé quoi? Je sais pas, j'ai trouvé ça là. Je l'ai ramassé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'aventure dans la tour. C'est un peu suicidaire, elle est loin quand même. Elle est quand même loin. Hein. Je suis trop curieux de savoir ce que c'est quoi. À mort. Bon, on verra ça par après. Sinon, je vous file mes. Ah non, ouais, je vais perdre mes guns. Ou je vous file toutes mes affaires et j'y vais juste pour voir. Bah non, enfin, c'est pas bon. Ça. Autant y aller de soi, on y va tous les trois. Ouais, on y va ensemble. Ouais, on va alors. Crever. On crève ensemble. On se casse. Attendez, les gars, et moi je vais manger ma ration. Ouais, vas-y, mange. il faut déjà commencer à tracer la route pour leur chemin. Ça m'a remonté toute la fin. Bon, on va revenir à la petite base. Ouais. Les gars, il y a un géant de pierre, les gars. Allez. Ah ouais, je le vois. Oh putain, c'est bien fait. Bah vas-y, va vers lui. Va vers lui, je suis juste à côté. Est-ce qu'il est méchant? Ah, t'es là-bas, toi, ouais, je te vois. Il a pas l'air méchant. Il est pas méchant. Ouais, il a pas l'air. Non, mais il est pas méchant. S'il te serre la main, t'as quand même 2-3 phalanges en moins, je crois. Non, bah je sais pas, il tourne en l'air, il me monte dessus. Bonjour, monsieur. Ah, il me fait rien, regardez. Il y en a un autre près de chez nous, là. Je voudrais avoir. Il monte juste sur ta tête et il danse un peu. Je te vois, Jonathan. Ah ouais? Vous êtes où là? En contrebas, il y en a un autre de géant de pierre. Je vois ta torche là. Ouais, géant de pierre. Je vous vois, les gars. Eh, par contre, niveau oxygène, c'est pas ça. Hein. On est presque arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On le défonce avec nos pistolets? Non. Non? On peut lui faire une petite partie de pierre, papier, ciseaux, on va peut-être gagner. Sûrement. On va allumer le machin là. Attends, je vais l'allumer si tu veux. Oh, j'adore, c'est quand même bien foutu ça aussi. Y'a plus de courant? Mais il est pas allumé? Vas-y, je l'allume. Me dis pas que tu l'as noyé là. Il y a plus que 4% d'énergie. Oh merde. Oh putain. On va crever les gars. Oh merde, les gars. On est dans la merde. Et moi mon oxygène elle clignote hein. Mais je crois qu'on a mal joué franchement là. Ouais mais en même temps c'est dur au début. T'as vu ce qu'il faut pour crafter la tour. Ouais. Attends je ramasse 2-3 machins là. Je vais vite aller au machin d'oxygène je pense. Je sais pas ce que je ramasse. Du fuel. Je vais essayer d'analyser ce que j'ai ramassé, il y aura peut-être un truc qui peut sauver. Des aloe vera. Aloe vera, ouais, c'est pour faire de la crème pour la peau. Ah, des aloe vera, putain, j'avais mal lu. Les aloe vera, c'est un peu comme les gels douche, là, c'est bien ça. Comment qu'on va faire? Parce que moi, je vais crever, là, dans quelques secondes, je respire plus. Hein. Non, ça va, tout va bien. Il arrive avec l'oxygène, t'inquiète. Bon. Moi, je regarde s'il n'y a pas moyen de becter ou de... Déjà, HRP, je vais boire un coup, comme on dit. Eh les gars, comment qu'on fait pour faire démarrer cet engin de malheur là? Bah faut pédaler. Attends, y'a bah un truc à mettre. Ah ouais. Le fuel les gars. Yes, vas-y je démarre. Démarre le machin, je vais foutre l'oxygène de l'autre côté. Oh merde, y'a plus de fuel. Eh les gars, je vais crever hein. Ouais, l'oxygène c'est un réel problème là. Je commence à crever les gars, je vois rouge. Ah ouais, on l'entend là. Eh, tu fais l'asthmatique. Dark Vador ici. Je vois rouge les gars. Ok, je crois que c'en est fini pour moi les gars. C'est fini, ma survie s'arrête ici. Vous êtes bizarre, White, tu te tiens bizarre. Ok, c'est bon. C'est fini.